Bonjour, mon nom est Marc-André Séguin, directeur général du Collège Saint-Charles-Garnier. Alors, je suis content aujourd'hui de prendre un moment pour vous parler de notre collège. Le personnel a pour mission de former des jeunes instruits, honnêtes, capables de s'investir et capables de devenir les leaders dans le monde de demain, le monde qui sera le leur. Au fil de leur parcours, ce que nous souhaitons, c'est que les jeunes se découvrent, puissent faire émerger leurs qualités, puissent faire émerger leur identité, leur personnalité. Comment? En participant à une multitude d'activités et d'expériences qui leur sont offertes au collège. Et je sais que toi, en ce moment, en cinquième ou sixième année qui m'écoute, tu te dis « oui, mais je me connais déjà ». Tu te connais déjà. Mais le parcours au collège pendant les cinq années au secondaire te permettra de te connaître davantage, de connaître tes qualités, d'arpenter des avenues qui sont encore inconnues pour toi et, au final, ouvriront tes horizons. Que vous faut-il à la fin de vos études secondaires? La première chose, on vient d'en parler, c'est une meilleure connaissance de vous-même. La deuxième, c'est une forte culture générale. Et la troisième, c'est des valeurs humaines bien ancrées, bien consolidées, à la suite de celles que vous avez déjà dans la famille. Au-delà des programmes et des infrastructures offerts à tous les élèves du collège, le collège a une particularité, une distinction. Quelque chose d'unique, c'est son histoire, une histoire de plus de 350 ans. C'est quelque chose. Cette histoire est inspirante, due aux milliers d'anciens et d'anciennes qui sont passés au collège et qui ont vécu des succès, et également due au personnel enseignant et non enseignant qui sont dédiés et passionnés à chaque jour. L'action éducative commande de la conviction et de l'inspiration. Et ça, toute l'équipe du collège le sait. Voilà, en quelques mots, ce que vous offre le Collège Saint-Charles-Garnier. Je vous invite à aller visiter le site ou faire la visite virtuelle ou encore venir nous voir en septembre prochain aux portes ouvertes. Merci. À bientôt.